Salut les petites pousses, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, tout le groupe tient à s'excuser car ce mercredi 7 janvier nous devions tourner plusieurs vidéos, mais à cause des intempéries comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire cette vidéo seule. Alors aujourd'hui la vidéo portera sur les légumes primeurs. Eh bien tout d'abord vous devez vous demander ce que sont les légumes primeurs. Eh bien ce sont tous les premiers végétaux, légumes, fleurs, fruits qui vont être récoltés pendant la saison et qui vont être obtenus naturellement. Leurs caractéristiques gustatives sont souvent appréciées car les légumes primeurs sont plus tendres et plus fondants. Donc là, la question que vous avez envie de me poser tout de suite, c'est quels sont les légumes primeurs? Eh bien, je vais répondre à cette question. Il y a la pomme de terre, elle est récoltée avant maturité au début de l'année. Il faudra la récolter jusqu'au 15 août maximum. Par exemple, vous trouvez la pomme de terre de l'île de Ré. Il y a la carotte, elle est récoltée très jeune et elle est appréciée par sa fraîcheur. Le poireau est fin et de petite taille, il aura une texture tendre et fondante. L'oignon, il s'agira d'un jeune bulbe qui sera majoritairement blanc. Il sera commercialisé avec ses feuilles en bottes. En général, les légumes primeurs sont plantés sous abri. Pourquoi? Parce qu'ils sont plantés en début d'année, il y a encore des risques de gel. Attention, une fois achetés, il faudra les consommer très rapidement, car ils ne sont pas encore matures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les anciennes et sur ce, je vous dis à plus les petites pousses.